What's up my playboy, what's up my playgirl, welcome to ETV Fit, ton émission sport préférée. Donc aujourd'hui on va travailler les mollets les amis, les mollets, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle les jambes de coq. Suivez-moi, c'est parti. Alors en exercice 1, vous allez commencer surtout sur la base toujours, la base des bases. Donc vous allez vous mettre sur une machine de façon à travailler debout avec les gourdins sur les épaules. Donc ça peut être en barre guidée ou ça peut être en machine adaptée. Donc vous allez descendre les talons au maximum et remonter aussi au maximum en gardant la contraction une seconde pour bien tirer sur les mollets. L'erreur à ne pas faire, comme beaucoup de personnes, ils descendent juste au niveau de la parallèle au sol et ils ne descendent pas en dessous. Moi je vous conseille de vraiment d'étirer le muscle au maximum pour pouvoir prendre beaucoup plus de masse et de volume musculaire. Exercice 2, vous allez vous mettre sur une machine en position assise, les jambes tendues, toujours la pointe des pieds sur la plaque et vous envoyez la tension toujours sur les soléaires, en ramenant la pointe des pieds vers le buste et en poussant au maximum, toujours en gardant la contraction musculaire environ une seconde, surtout pour les personnes qui ont les muscles relativement courts des mollets. En exercice 3, vous allez travailler sur la machine assise pour travailler l'avant des mollets cette fois-ci et toujours même exécution, on descend au maximum et on remonte. Que je vous conseille pour les trois exercices, c'est de rester dans une fourchette de 15 à 25 répétitions. Pour les petits groupes musculaires comme ça, il faut vraiment envoyer de la tension. Donc évitez les séries trop courtes qui travaillent la force, qui peuvent fragiliser aussi le tendon d'Achille. Donc ne travaillez pas trop lourd, travaillez surtout en série de 15 à 25 voire 30 répétitions avec une minute de récupération entre chaque série. J'espère que ces exercices vous seront bénéfiques pour corriger ce point faible au niveau des mollets. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions sur ETV Fit.